I find it very positive and encouraging that the three main strategic thrusts of Business Mauritius are to engage further in policy advocacy with respect to national economic development, create a strong social capital, and promote sustainable and inclusive development. This gives me the confidence that Business Mauritius has a strong commitment to engage the private sector in helping to shape and implement national policies in the perspective of an inclusive and sustainable development. Our trade and industrialization policies, as well as our labor market and macroeconomic policies, will be driven by the need for our country to be globally competitive across all sectors, including the domestic-oriented industries. We are also building on bilateral relationships with African countries, China, and India to expand our economic space and develop new export markets. I should here highlight that the merger of the SME Partnership Fund Limited and the NRF Equity Investment Limited, which I also announced in the budget speech, has been approved by the shareholders and will become effective on the 1st of March 2017. And that is why government and the private sector must work together to address the issue of skills mismatch on the labor market. It has hindered economic growth for too long. It is a tenacious challenge. Government and the private sector are in fact already collaborating on this issue. And our youth must be better prepared for the labor market. They should not be frustrated by a labor market that does not require their skills, nor should employers be deterred from investing and creating jobs because they cannot find the skills that they require. In fact, this week itself, I will hold a meeting with different stakeholders in both the public and private sectors to accelerate our actions on this issue. One of the key projects is the development of an e-licensing platform, which is funded by the European Union and which should be ready for operation, hopefully, by December this year. We will equally see to it that seamless processing of applications becomes a reality this year by removing administrative hurdles and regulatory constraints. The Business Facilitation Bill, which I will bring to the National Assembly in April this year, will set the necessary regulatory amendments to make our country more business-friendly and give a boost to investment, both domestic and foreign. Government has also sown the seeds of a new culture of innovation, supported by a strategy to digitalize our economy and society. The core elements of that strategy are better connectivity, wider use of the internet, and integration of digital technology in all the sectors of activity with a focus on digital public services. On est une petite île, une petite économie. On a une économie domestique qui est quand même très limitée. Et on a évolué dans une région avec justement un monde qui a tendance à vouloir se protéger, être plus protectionniste, comme on a vu avec les Américains, etc. Donc pour nous, c'est important d'avoir cette dimension d'ouverture. Et si on ne peut pas envisager le développement de l'île Maurice, une croissance, sans qu'il y ait une vraie volonté, que ce soit au niveau du business sector ou au niveau du gouvernement, d'ouvrir l'île Maurice vers ses voisins. Et c'est là où on a vraiment des grandes chances de performance. Moi, j'ai fait référence à la vision 2030 du Premier ministre précédent, c'est un Euro Joint. Et nous avons dit que nous associons entièrement à cette vision-là. Et je
justement, nous voulons nous structurer pour pouvoir nous donner les moyens d'accompagner le gouvernement en tant que partenaire pour arriver à atteindre les objectifs qui ont été fixés dans la vision. Oui, ça prend du temps. La vision, c'est sur 2030. Mais le temps passe vite. Je crois que c'est un travail qui doit être fait par tout le monde ensemble. Et nous, on veut se structurer au niveau des Business Mauritius pour se donner les moyens d'apporter notre contribution au gouvernement pour faire avancer les choses. Donc nous avons trois nouvelles commissions. Jusqu'à présent, Business Mauritius était perçu comme JEC était perçu comme une force de réaction. Aujourd'hui, on veut être une force de proposition. Mais pour pouvoir proposer, il faut pouvoir savoir de quoi on parle, il faut se structurer. Donc nous sommes structurés en créant trois commissions, mais qui ne sont pas axées uniquement sur l'économie. Nous avons aussi pensé que l'économie c'est important, mais il faut aussi travailler sur le capital social, comme on appelle, donc c'est-à-dire la valeur humaine dans l'entreprise, et également la dimension de la durabilité. Donc nous avons créé un Sustainability Commission qui va apporter tout son soutien dans tout ce qui concerne non seulement l'environnement, mais aussi l'inclusion des plus démunis, et aussi d'autres facteurs importants tels que la culture, le sport et d'autres éléments. Les trois commissions, c'est une approche interactive où on va faire quand même maintenant, à travers les trois commissions, des possibilités d'analyse, de recherche pour pouvoir avoir des résultats. Et surtout, nous partageons la vision de faire de Maurice un high income economy et d'ouverture vers la région. Et Maurice aussi doit se restructure pour ça.